On est sur Erat Seca contre Yop. J'aime bien les Eka Yop. C'est toujours très divertissant. Et Piki prend l'initiative. On se met en ligne. Est-ce qu'elle a porté pour des griffes joueuses? Une roulette dommage. Ça me semble un peu loin pour des récops. Et donc il va se rabattre sur les griffes joueuses. Seulement 15% de rester. Effectivement, ça tape, ça picote ces griffes joueuses. Plus de 600 dégâts là sur ce premier tour. Mais BR Rox qui joue avec plus de 4000 points de vie de base. Et il joue à l'Arcadie, ce Yop. Alors, Kawotte pour se protéger des Récop et un Doppel. Mais la Kawotte ne protégera pas des griffes joueuses. Et je pense que Piki de son côté, il va plutôt temporiser, poser son Doppel, son Odorat. Le Yop qui se booste avec son Doppel tranquillement. Là, ça va se setup. Et évidemment, l'amplif sur la Kawotte, comme il se doit. Roulette portée. Peut-être que finalement, Piki va s'en servir. Et ouais, on vient chercher la ligne. Et ça vient taper à la griffe joueuse, la Kawotte qui tombe. Et de bons dégâts sur le Yop. On peut même enchaîner avec un Récop qui passe à 800. Il reste 4 PA. Dernier Récop ou Kawotte? Non, Kawotte quand même, on n'est pas fou. Alors, le Yop qui ne bénéficie d'aucune roulette, mais qui est bien boosté. Alors, il s'avance avec un souffle, il pourrait mettre des coups d'arc. Sinon, d'ici, je pense qu'il peut atteindre les cas avec des épées d'Yop. Ah, ça va couper, ok. Un PM de perdu, un deuxième. Et on s'arrêtera à 2. Quelques dégâts quand même. Il a changé de colère, le Yop? Non, il a pas changé de colère. Oh, Piki qui se self-passe tour par contre. Il avait bien commencé son combat. Et là, ça tourne au vinaigre pour ce chat. Évidemment, il va s'enfuir très loin. Potion d'Opel. Et il se chance, évidemment. Allez, on met tout ça entre les mains du destin pour Piki. Vérox qui va pouvoir rush. Alors là, il a pas les PM pour taper à l'arc. Il peut prendre la zone épée d'Yop, par contre. Ça tape. Enfin, ça soigne plutôt. Et ça soigne encore. Piki est full vie. Et le Yop qui se fait debuff par la roulette du Doppel. Ça, c'est coup dur. Et finalement, cette roulette passe-tour n'aura pas vraiment eu l'effet escompté. Parce que la Piki est full vie. Le Yop est debuff. Et il est mid-life surtout. Bon là il vient de taper à l'Arcadie. Oh, les deux derniers coups qui ont fait que soigner. Oh c'est dur parce que quand même sur 9 lignes, il n'y en a que 2 qui ont tapé. C'est dur. Piki est full vie. Pour l'être un tel pour le Yop, mais ça va pas lui servir à grand chose. Ou par contre, oh, l'odorat est catastrophique. Moins 1 PA, moins 2 PM. Ah, ça, c'est pas un bon odorat. Le récup qui ne passe pas. Bon, ben, j'ai l'impression que à chaque tour, un joueur différent prend l'avantage. Le Doppel qui vient chatouiller. Pour que ce bluff à 140, on le sent passer. Alors, BROX qui peut aller chercher les coups d'arc. Il y a toujours la chance d'Eka pour un dernier tour. On la joue. Là, il faut mettre la pression pour BROX. Il faut profiter de ce très mauvais odorat de l'Eka Flip. Allez, ça vient taper. Ah, mais c'est. Non, mais c'est grave quand même. Prends des dégâts, s'il te plaît. Allez, amplif. Là, Piki, bon, il est en 15-4, pardon, par contre, avec son odorat. Vient chercher la zone à la langue râpeuse. Qui a beaucoup de portée à BROX, qui ne pourra plus vraiment utiliser les épées d'Yop. Bon. Ouais, au final, hein, c'est Piki qui est toujours devant et bien devant. Mais il est full vie, hein, tout simplement.
Roulette agit justement pour les quins. Allez, les Doppel qui se battent. Et Rox, il va pouvoir terminer le Doppel équin. Il y a quand même 1500 HP d'avance pour les cas. Il n'y a plus de chance maintenant. C'est bon, on va pouvoir taper dessus. Et Rox qui se replace avec un bon. Mais là, avec les moins 4 de portée. Compliqué de jouer à distance pour le Yop. Il va poser son chauffeur qui crit. Et qui ne donne pas l'euphorie malsaine pour le moment. Et malheureusement, le Doppel qui est trop loin à la relance de la puissance, et donc il va se la mettre sur lui-même. Ça cherche la griffe joueuse, j'ai l'impression, pour Piki. Et ça envoie, ça bombarde. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de... Ah si, il y avait une roue de la fortune quand même. Ok, ça a pas crit. Et évidemment, Piki qui joue la distance avec les langues grappeuses qui sont passées, il va falloir se montrer pour Berox, il va falloir aller chercher cet Ekaflip. Allez, muti double coup d'arc. Et les dégâts sont très très bons. On se régène pas mal pour le Yop, qui a toujours son Doppel, contrairement à l'Ekaflip, et qui a un boost de PA, pendant que Piki a un nerf de PA et de PM. Là, Yop, 27 contre EK 15-4. Ouais, là c'est délicat pour Piki. Il va chercher l'Yop frontalement. Il va taper contre un mur. Il arrive à passer un récop, mais un récop sur 3, c'est pas terrible. Il a pas les PM pour s'enfuir très loin. Et là, le Yop peut aller chercher les coups d'arc. Non, s'il y a encore un bon du félin... Non, c'est bon. Il faudra un bon, forcément. Ah, il préfère ce chance. En vrai, je sais pas. Là, le Yop, il peut mettre 4 coups d'Arcadie. Ok, il va préférer se booster. Ampli, muti, compulsion. Et... Encore un coup. Ça peut tuer, hein. Ça peut tuer largement. Va voir et non, oh, ça fout le soin encore une fois, mais c'est terrible ça. Le Piki ne veut pas mourir, c'est incroyable le nombre de points de vie que cette chance a redonné à Stekaflip. Mais bon, ok, roulette PA 23-7. Le Yop est en 23-7. Après, bon, c'est une roulette PA pour tout le monde. Ah, les récops qui ne passent pas. On va chercher une félation. Ok, non, c'est un bluff. Ah, le récop qui ne passe toujours pas. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Mais c'est toujours l'Eka qui est devant et il a toujours sa chance. Donc, rien n'est joué, hein. Rien n'est joué. De bravoure en plif. 4 coups d'arc. Ok, ça joue jugement. Oh, le Yop qui récupère pas mal de points de vie quand même. Les cas aussi. Ah, c'est intéressant. Allez, 2700 HP, 1900. Dernier tour de chance des cas. Il a encore les bonus PA de la roulette. Ah, ça compense un petit peu son odorat. 50 soins, bon, on va rien en faire. Enfin, un récop qui passe. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Non, ça va. Ça se finit. Non, ça se finit vraiment comme ça, Flamish. Non, ça se finit vraiment comme ça. C'est quoi ce combat? Oh là 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 là. On est sur Kryl avec un combat niveau 170. On a un Kras 178 contre un Nekaflip 177 qui joue en 13-5. Je vais pas regarder pour Yopa, on verra la fin de son tour. Alors,
Aide taupe, cinglante, imo. Là, malheureusement, l'imo après la cinglante. 14-6 donc pour Iopa. Et la nouille qui s'avance. C'est bon du félin. Allez, reste toujours un petit peu atypique hein, dans les combats bas level. Et les bons bluffs qui montent à 446 en critique. Il y a 0% OR sur Iopa. Aïe aïe aïe. Ça peut être très dangereux ça contre un Eka Flip. Et en plus, il y a peu de rester également. Alors, maîtrise des dagues pour Iopa. Et c'est des... Oh, les dagues à doux, incroyable, j'adore. Ok, c'est bon, je suis pour Iopa. Après, il y a de bonnes restes quand même hein, sur cet Eka Flip. Allez, bam, 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 des bonnes dagues à doux. Alors, chance des cas utilisée déjà. Ça continue de jouer au bluff et même les bluffs R font mal. Reste 5 PA. Ça va tenter le récop, ça ne passe pas. Oh, joue les dagadous sur la chance. Pitié. Pitié, régale-nous. Non, pas l'arachné, non. Non, mais 4... Ah, oh, mais non. Mais voilà, c'est bien fait. Allez, fais-nous rêver un peu. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, 800 HP pour la nouille. 600 maintenant. Ok, EC roulette, c'est qu'un PA. Ah, la nouille qui se passe tour, mais peut-être que... Non, j'allais dire peut-être qu'il peut tuer, mais bon. On en est loin. Même avec que des bluffs crit, ça aurait été compliqué. Allez, c'est bon, il y a une roulette passe tour, régale-nous là. Utilise des dagadou, cherche pas à comprendre. Ah. Allez, on prend de la distance pour Iopa. Ok, la bonne flèche Apso sur la chance des cas qui passe à 600 GG. On est sur Kryl, Yop contre Kra, initiative pour le Yop en 17-7. Et Taelian qui joue en 16-9 avec une Nice. Ça joue des deux côtés. Le Yop qui a l'air d'être en Arcadie. Ouais, sûrement maîtrise, triple cac. Mais 40% de res neutre sur Taelian. Il prend quand même bon, un bon tiers de ses points de vie sur ce T1. On vient chercher la diagonale. Alors, maîtrise de l'arc. Imo, la première qui passe. Il y a très très peu d'esquive sur Voltense. Les Imo qui vont bien passer. Et la glacée a seulement moins 1. Alors, état pesanteur, pas moyen de bon pour aller mettre des coups d'arc. Voltense qui va certainement poser Doppel, se booster, mettre une vitalité. Il n'a pas grand chose d'autre à faire de toute façon. La vitalité qui passe en critique, il reste des PA pour mettre la puissance. Double puissance donc. Et on récupère pas mal de dommages du côté de Voltense. Il pourra utiliser son bon au prochain tour. Talian qui va sûrement dispé, voire taper sur le Yop. Allez, double Imo. Bon, les deux qui passent évidemment. Mais ouais, du coup, même avec un bon, même avec deux bons, je sais même pas si. Non, si deux bons quand même. Ouais, deux bons ça va le faire. Alors, on était à 2 PM près quand même. Faut encore utiliser un PM pour avoir la portée. Et on vient se mettre en diagonale. Et du coup, un seul coup d'arc, mais c'est pas mauvais. 1300 HP sur Talian, tir puissant. Est-ce qu'il a une maîtrise? Non, il a pas de maîtrise. Il va donc continuer de jouer à distance. Flèche de recul, Imo. Et Destru pour kick un petit peu dommage. Mais là, Voltense avec un seul bon cette fois-ci. Il peut taper à l'arc avec deux coups. Ah, il y a la Destru. Donc je pense que c'est pas possible de terminer. Même avec une mutilation. Au tour d'avant, il a pas pu mutiler. Il a pris une flèche glacée. Après, faut tenter. En plus, s'il tape, il récupère de la vie.
Avec les lignes en vol de vie de l'Arcadie. Allez, Muti, double coup d'arc. Ouais, ça tuera pas. 20 HP, c'était pas loin. 1663 HP sur Voltense. Mais Italienne qui a perdu la maîtrise de l'arc. Donc, je suis pas sûr qu'il puisse terminer. Oh, ça me paraît compliqué. 10 PA, 1000 HP. Voilà, c'est vrai qu'il y a le retour de l'XP qui était chargé. Mais, je sais pas si ça passe, hein. Sans maîtrise de l'arc, c'est pas les mêmes dégâts. Ralentissante. 58 points de vie. Et ça a passé. Incroyable. Incroyable. Et la flèche destructrice qui a sauvé le crâne un tour. C'était bien joué. Ah, beau combat. On est sur Kryl revanche entre Metiken et Voltense qui a laissé tomber sa baguette pour un Arcadie. Et ça risque d'être un duel à l'arc. Même s'il y a 20% air, mais c'est sûrement un chrome neutre air pour Metiken. Vient un Arcadie. Arcadie terre, 43% de reste terre. Sur Voltense, 43% de reste neutre également pour la punition. Donc de bonnes raises là pour ce Yop. Mais bon, 10% haut. Des dissos bien placés, ça peut faire la différence également. Et du côté de Metiken, 33 nœuds, 24 terres. On n'est pas encore la couleur de l'arc de Voltense. Alors, puissance, on charge la colère de Yop cette fois-ci. L'épée volante qui trinque. Et on prend de la distance pour le Yop. Hop, je vais monter la timeline, histoire que ça gêne pas. Petit agile pour le tacle, bien sûr. Et ça vient envoyer quelques flammiches. Non, il n'y a pas les dégâts au-dessus du Yop. J'ai envie de mourir. Allez, environ 200 dégâts. Voyez sur ce Yop. Et un chaffeur lancier. Non, il n'y a pas les dégâts non plus sur le sacré. Non, mais... On va se faire qu'une trop, là, les gars. On vole TNC. Par contre, ouais, pas de... De Forimalsen pour le moment du côté de Metiken. Et donc Arcadie neutre pour Voltense. Bon, c'était assez prévisible. 33 neutres pour Metiken. C'est vrai que la présence de ce chauffeur lancier, c'est vraiment problématique pour le Yop. Alors, détour, il va falloir un autre détour si on veut la ligne de vue. Mais il restera tout de même des PA pour un coup d'arc. Et ça invoque bien du côté de Metiken. Alors, on est tour 3. Pas encore la relance de la Coco, mais ça arrive bientôt. Ok, on se débarrasse du chauffeur lancier. Finalement, l'euphorie malsaine, Metiken n'en aura jamais profité. Et un coup d'arc sur le Doppel. Passe très bien là du côté de Voltense, qui est protégé de toutes les lignes de vue. Ah, quoi que, non, c'est vrai qu'il y a moyen d'aller chercher la diagonale, mais bon, il n'y a pas la portée pour l'arc derrière. Après, ça peut co-op attirance. Ok. Donc là, il pourra taper sur le Yop avec l'arc. Mais un seul coup. Et la Kawotte pour se protéger. Mais bon, Voltense peut largement contourner. Capso du Doppel. Et jugement sur le Doppel, on s'en débarrasse, on récupère... Quelques légers points de vie, il reste des PA, peut-être pour envoyer une épée d'Yop pour taper un peu sur le sacré. Finalement, ce sera pas le cas. Et là, je pense qu'il faut pas taper le sacré. Ça sert à rien d'envoyer une épée d'Yop, ça va juste booster les châtiments. Allez,
Elle est KO pour se protéger. Metiken qui peut largement la détruire avec son arc. La slide à la portée sur le Yop. Il y a des robots bien sûr, puisque c'est le tour de la colère. Fallait pas l'oublier. Là, ça ne crit pas, et du coup, la Kawotte qui ne se fait pas one shot. Et il y a Nessé sur la Flamiche. Paul Tensei qui va pouvoir relancer sa colère sur l'épée volante. Il faut absolument le faire parce que au prochain tour, il y aura. Enfin, à la prochaine relance, il n'y aura pas la dérobade. C'est là que la colère devient intéressante. C'est au tour 9. Contre un sacrieur. Allez! Au colère, cette épée volante. Il reste 10 PA, ça peut envoyer 2 coups d'arc. Ok, donc ça prend de la distance. Après, il n'y a plus de coop encore sur ce tour. Donc, ok. C'est pas l'erreur traditionnelle des Yop contre les sacrieurs. Il n'y a pas de coop pour l'instant. Donc, on est bon. Alors, Metiken qui peut aller taper le Doppel avec son arc. Mais ce serait quand même exposé dangereusement. Bon, bon, c'est un sacrieur, il peut se le permettre. Mais on est tour 6, il faut relancer les châtiments. Il n'aura pas le Doppel, je pense. Ouais, non, largement pas. Voltense qui peut aller chercher la diagonale ici pour aller taper sur le sacrier. Il va falloir taper un petit peu quand même. Relance des boosts. Ça vient quand même être deux coups d'Arcadie. Ouh, les dégâts! 823, 780. Ça fait 1600 dégâts sur le tour, c'est pas mal. Roll Doppel qui vient taper sur la dérobade. Bon, au moins il enlève un PM. Il fait quelques dégâts derrière. Et là, il devrait mourir. Oh, il survit à 25 HP. Il y a plein de petits coups de malchance là pour Metiken qui peuvent. Potentiellement donner une victoire à Voltense. Bon, pas que je sois pour Voltense spécialement, mais bon. C'est vrai que Sacri Yop. Enfin, j'ai toujours tendance à préférer la classe qui a le match-up défavorable. Et on en parlait de la Disso. Avec 10% haut, ça peut être dangereux. Allez, leur tourne. 7ème tour. Dans 2 tours, il y a une colère et il n'y aura pas de dérobade. Et un coup, je pense que ce sera un seul coup d'arc et un bon. Ben voilà, on se replace. Tout bien joué. Ouais, c'est pas mal ce que fait Voltense de jouer de manière très très lente comme ça. Pour ne jamais se retrouver face à un sacrieur qui a énormément de châtiments. On voit quelques dégâts à la Flamiche histoire 2. Par contre, faut pas jouer trop lentement non plus parce qu'au bout d'un moment, les vitalités ne sont plus actives. Bon là, on a le temps, hein, 14 tours encore. Alors, tour prochain. Relance scolaire. Relance scolaire. Il faudrait aller trouver des coupés. Ah, je pense que c'est bien d'aller rush. Faut s'avancer vers le sacré, sinon il va juste coop et s'enfuir. Alors, comment Metiken peut éviter la colère? Il a pris encore de bons dégâts. Comme on le disait, il va coop, taper à l'arc. Et ouais, il va la prendre la colère là. Il va la prendre cette colère. Et en plus de ça, Voltense aura besoin que d'un bon pour aller colère. Ça veut dire qu'il aura encore des PA derrière pour taper. Bon, ça devrait pas tuer. Normalement. Ah, il n'y a que 24% de terre. Ah, ça devrait pas tuer. Ça devrait pas tuer. On sait pas trop. Ok, un coup d'arc, la colère. Est-ce... Oh, ça tue. Ça ne tue pas. 110 points de vie. 110 points de vie. Ah, mais Tiken qui. Je pense qu'il pouvait s'enfuir. Parce que normalement, il a encore sa kawotte.
Ah, quoique non, je sais pas s'il a sa kawotte en vrai, vu qu'il y a encore le glyphe ici. Il avait la transpo. Elle est bonne d'Issot. Il récupère beaucoup de points de vie, Mutiken. Et la transpo. Il y a encore comme boost sur le Yop. Il y a puissance maîtrise des arcs. Je pense que c'est largement suffisant. Il a pas besoin de bon, il peut taper. Ah, je sais pas si. Mutiken, il avait encore des PM, non? Oh, il est rentré dans la zone de tac de la Kawotte et je crois qu'il n'avait pas le temps pour utiliser les PM qui lui restaient. Parce que là, Voltense, il a même pas besoin de bon, il peut taper d'ici. Il va y aller tout simplement à l'épée d'Yop, mais je sais pas si ça va tuer. Après, il peut flamiche derrière, c'est pas grave. Et le coupé qui vient tuer, incroyable. Très très joli combat, GG. On est sur Kryle, Kra contre Yop. On a raté le tour du Yop. Bon, ok, on a très bien compris ce qui s'est passé. Maîtrise des arcs. Alors, je pense que c'est double coup d'arc. Eldaren qui a du bon, j'imagine. Ouais, avec aussi peu de res terre neutre, à mon avis, Shen, s'il avait pris 3 coups, il aurait moins de points de vie que ça. Alors, l'expi qui a été utilisé, donc Eldaren ne va pas pouvoir utiliser le bon. Et donc, elle va en profiter pour poser le Doppel, une vitalité. Et tout ce qui peut être posé de ce genre. Alors attention à ce Yop qui va être vraiment vraiment bien boosté. Peut-être qu'il aurait pu rester plus vers là pour éviter d'avoir des PM à utiliser pour chercher la diagonale. Mais bon, il est déjà aux limites de la map en vrai, est-ce que ça change grand-chose? Alors moins 5 PM tout de même, moins 2 PA avec cette glacée, ça c'est très bien vu la glacée. Eldaren, il va falloir deux bons, je sais même pas si avec deux bons ça passe. Ah si ça passe, ok. Bon, large. Il y a encore 2 PM. Allez, un coup d'Arcadie. Allez, flèche de recul. Ça continue de voler des PM. 139% contre 90%. Évidemment que les immos passent toutes. Et encore une fois, il faudra deux bons pour aller taper sur le crâne. Un peu de dégâts encore avec cette percée. Dommage, il manque un PM. Ah, il manque un PM pour taper. Et le souffle n'a pas la portée pour ramener à la portée de l'arc. Ok, un très très bon coup d'arc tout de même. Mais normalement, Shenz devrait finir, je pense. Ouais, je pense que le Kra peut finir. Après, il est pas boosté, j'avais pas vu, mais il est pas boosté du tout. Mais il y a double relance de flèche. Et même s'il finit pas avec l'expi, de toute façon, Eldaren ne pourra pas tuer. Y a pas d'œil de taupe. Je sais pas s'il y a la portée pour les épées d'Hiop. Oh, mais attends, il y a un monde là. Oh, il se passe quelque chose là. Attention, attention. Non, en vrai, ça peut vraiment passer pour de vrai. Il y a peu de rester sur Shenz. Ne me dis pas que c'est un bluff et qu'elle a pas la portée. Ok. Oh non, c'est un bluff, elle avait pas la portée. Non! Oh. Ah, c'était bien joué. Ah. Eldaren qui vit un peu pour les caméras. Mais bon, on y a tous cru. Ah, c'est dommage. En vrai, il y avait vraiment un monde que ça passe. Ah là là, GG. On est sur Boon, Kra contre Pandawa. Initiative pour le Kra. Avec une Aztec R. Ok. Aztec R. 23% R sur Louise. Mais bon, c'est un Pandawa. Avec une Piccole Crit, on monte à 50%. Et Louise, du temps. À 12 PA seulement. Avec les retraits PA de l'Aztec. Qui vient taper avec une baguette elle feu et seulement 10% feu, 7% air pour beauté. Qui a pris donc pas mal de dégâts. L'état affaibli évidemment qui est appliqué. Et il faudra utiliser une enflammée ou une dispée pour
sortir du tackle du Wasta. Alors, il reste encore 10 PA sur ce crack qui, bien sûr, est sous état affaibli. Et on décale le Wasta pour pêche de recul. Et Louise va se stab, évidemment, pour éviter que ça ne se reproduise. On peut aller chercher une flasque. On a vu que c'était un pandawa feu. Oh, mais c'est vrai qu'il y avait une cinglante. Et oui, du coup, la cinglante a été annulée par le lait de bambou. Louise qui se pend dans le cul et qui vient chercher d'énormes points enflammés. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a peu de res sur le cra, mais ça fait mal. Même. Allez, dernier tour d'état affaibli pour le cra. Maîtrise de l'arc. Ah, ça cinglante encore, mais là c'est normal, il y a le pan dans le cul, donc c'est une bonne idée. On limo après la cinglante. Bon, ça passe, donc on dit rien. Et ça vient chercher quelques points de vie avec ses flèches absorbantes. Alors, Louise qui peut se debuff. Il va préférer rester sous picole pour envoyer d'énormes points enflammés. Ah, vraiment, beauté qui est en train de brûler. Alors, le Wast a envoyé sur le cra pour le gêner. Avec une simple libé, normalement on est bon. Ça préfère 10 P. Ok. Oh, il y a les PM pour aller chercher les coups d'Aztec, malheureusement, EC. Oh, mais ça tue. Ah non, il n'y a pas les PA. Ok. Oui, non, mais oui, je me suis emballé un petit peu. Mais ouais, 300 HP pour Louise. Est-ce que Louise peut terminer un PA perdu avec le premier coup d'Aztec? Allez, ça tape à la baguette elle et ça va terminer. GG, gros panda à feu. On est sur Boon. SRAM contre Pandawa. Et ça a l'air d'être un duel à l'Arcadie. Arcadie des deux côtés. Zongito qui joue en 14-8. Et Oxalite. On regardera à la fin de son tour. Un piège mortel qui a été posé après l'invi. Et ça utilise ses PM un par un. 15-8 donc. Zongito qui cherche à la flamiche. Il peut envoyer une flasque. Et ça ne trouvera pas. Ça fait quand même pas mal de cellules en moins. Mais on décide d'en rester là et de sûrement poser un Doppel. Altono, ok. Alors après, c'est pas évident hein, le match-up pour un SRAM. Avec la stab, c'est impossible de pousser le panda dans les pièges. Et bah, les poisons sont pas très efficaces à cause du lait de bambou. Donc c'est pas évident pour le SRAM. On va voir comment Oxalite se débrouille. Cette prise d'initiative, elle a réussi à taper un petit peu sur le panda quand même. Oh, Zongito qui trouve à la flasque, mais pas à la panda attaque. Ah, il a été un petit peu trop sûr de lui. Il a balancé les deux en même temps. Mais bon, c'est toujours quelques dégâts de prix. En attendant la fin de l'invi. Et le tonneau qui va pouvoir soigner un petit peu le panda. Un peu beaucoup même, hein. Bon G à 215. Alors le poison décidé sur le panda justement. Après là il est pas picole, donc ça va quand même, en plus de taper un tour, lui faire cramer quelques PA. Après, bon, de toute façon, des PA, il n'a pas grand-chose à faire avec.
Ce sera mettre un vie encore pour un dernier tour. Ah, il a la maîtrise des bâtons, il a peut-être pas envie de se débuff. Il va pas se débuff, je pense. Ok, si. Mais ah non, il se débuff pas. Ah, du coup, il a encore le poison et sa maîtrise des bâtons ne sera jamais utilisable. Jamais exploitable plutôt. Il est sous picole maintenant. Donc il est à 15 PM. Donc attention, Oxalith qui va devenir visible à la fin de son tour. Allez, ça utilise les premiers PM, ça vient de taper sur le Doppel à l'Arcadie. Oh, mais j'avais pas vu, mais c'est un Arcadie R. Ok. Ouais, ça a pas l'air d'être mode full cutan Elisael. Je suis un peu surpris par cet Arcadie R. Surtout que contre un panda, de toute façon, l'élément de l'arme n'a pas trop d'importance si... Ils ont généralement des raies assez lisses, les Pandawa avec la picole. C'est rare de pouvoir profiter d'un élément dans lequel ils ont moins de raies que les autres. Cache mortel qui tape fort. Et ça envoie de la gueule de bois qui tape fort aussi. Sur 30% terre. Ok, le Doppel. Il a marché sur une mine. Malheureusement pour lui. Après, il a quand même détruit deux pièges mortels. Il n'est pas mort pour rien. Le piège d'Imo pour contrer le pendant le cul du Pandawa. Piège de silence même. Alors Zongito, qui a quand même pas mal de PM, même si le Doppel est mort. Mais attention, s'il bouge, il va perdre des PA et des PM avec les pièges. Mais bon, de toute façon, il a pas le choix. Hein. Ok, ça va, il perd juste un PA. Et il a de quoi envoyer la souillure qui va débuff. Oxalith, j'ai même pas eu le temps de regarder si... enfin, ce qu'il y avait sur ce SRAM. C'est un Arcadie neutre pour Zongito, plus classique bien sûr. Après, il s'est pas picole, hein, Zongito. Il a encore stab, heureusement, mais ça va jouer à M. Ouais, pas de critique. Et quelques dégâts. Oxalith qui était encore en état affaibli, ça y est. C'est plus le cas maintenant. 200 points de vie de plus sur le Pandawa, mais c'est à lui de jouer. Donc il va vraiment creuser l'écart. Il vient retirer des critiques au SRAM. Oh, ça tape bien hein, cet Arcadie. Attends, mais d'ailleurs, je viens de me dire un truc tout à l'heure là. Il avait maîtrise des bâtons en fait. J'ai rêvé. Je sais plus quand c'était. Oui, c'était. Oui, donc en fait, la maîtrise, on s'en fichait. En plus, je l'avais dit que c'était un Arcadie. Allez, ça continue de taper avec cet Arcadie R. Je me demande ce que c'est le build de Oxalith là pour jouer mode terre-air comme ça. Il faut les conditions, il faut 275 en chance pour porter l'arc, c'est pas évident à trouver. En étant en plus terre-air, il y a quand même assez peu de stuff qui donne les deux. Assez peu d'items qui donnent les deux. Pourquoi il souillure le tonneau? Pour éviter qu'il attire le SRAM sans faire exprès. Que le SRAM est un vie, je sais pas.
Alors Zangito qui perd quelques points de vie là avec ses poisons, avec les pièges aussi. 1300, 880. Ok, ça trouve pas avec la flasque. Alors, ce SRAM, qu'est-ce qu'il y a sur lui? Il y a juste la concentration de chakra, la maîtrise des arts qui est relancée. Je sais pas si, avec un gros tour de full K qui peut venir à bout de ce panda pour le moment. Après 1200 HP sous picole, ça me paraît compliqué de les faire. Non, ça pose juste des pièges. Mais le truc, c'est que Zogito ne peut pas se permettre de se soigner avec le tonneau. Il le fait, du coup, il peut pas picole. Et donc là, il serait une cible vraiment facile à tuer. Ouf. Oh, les pièges qui font mal. Les pièges qui font très très mal. Et là, je pense que picole ou pas, à mon avis, Oxalite va pouvoir terminer. Ok, quand même une belle régène avec ce coup d'arc sur le tonneau 1000. Pas quand même. 173 points de vie récupérés par Zangito qui remonte à presque 700. Et 700 points de vie sous picole. Ah non, il est pas sous picole. Mais je sais pas où est Oxalite. Non, mais à mon avis, il y a moyen d'aller chercher la diagonale ici. Ouh, bien joué, l'invite d'autrui sur le tonneau. Et c'est essayer de tuer avec des sorts. Oh, le C. Non, le double, c'est quoi? C'est quoi ça? Mais non, mais c'est du jamais vu. 105 points de vie, ça tuait? Non, c'est trop. Non, mais non, non, mais j'y crois pas là. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Maîtrise des... Oh, ça, il va tuer. Il va tuer Zangito, il a la maîtrise à crit. Oh, c'était assez... Je suis sans voix. On est sur Boon, ça dit, contre Enutroph, Jedha. Bah, toujours avec son Aztec, hein. Ça, c'est un classique. Et Zolaxito avec beaucoup de res neutre, mais peu de res terre. On va voir si Jedha a eu l'inspiration. Non, c'est une Aztec neutre. Mais bon, ça va pas l'empêcher de venir titiller les points de vie de Zolax. Alors, 2 PA perdus sur les coups d'Aztec. Zolax, il se retrouve en 14-5, pardon. Avec en plus la mala à moins 1. Alors, on se débarrasse du sac animé avec le sacrifice poupette, que ça régène un petit peu. Et poison para, on s'apaisante, qui passe en critique. En vrai, ça pourrait retraite des buffs, mais il y a l'Axel plus la cupie. Ok. Après, c'est que la retraite servait pas à grand chose, puisque Zolax avait encore sa ronce insolente, pardon. Allez, Axel, c'était l'Axel du Doppel, donc il a été des buffs. Allez, une cupie. Ah, du coup, il y a deux cupies là sur le Sadie. Attention, il y a déjà un poison para. Ah non, il a été debuff, c'est vrai. Il reviendra au tour 4, puisque bah, Zolax était corrupt sur le T1, donc il a lancé T2. Donc relance des poisons para au tour pair. Alors, Jedha, il va se débarrasser
de cette surpuis sans problème, des invocations, on n'en parle plus. La désinvo qui pourrait tuer l'arbre avec un énorme critique. Mais bon, on va préférer envoyer du remblai. Eh, c'est vrai, on l'a dit, il y a peu de rester sur Zolax. Même si c'est une Aztèque neutre, les remblais font l'affaire. Peut-être même qu'on aura droit à de gros lancers de pelle plus tard aussi. Allez, un peu de régène sur cet arbre. 2000 HP, 2800 HP. Et la corruption n'est pas très loin. Ok, sacrifier puissance dans... J'ai pas trop compris. Je voulais peut-être l'invoquer ici. Bon, il y a un truc que j'ai pas compris. Ah, c'est pour bloquer... Ok, d'accord. C'est pour bloquer la ligne de vue... de la désinvocation sur l'arbre de vie. Ok. Ok, donc s'il y avait bien un truc que j'avais pas compris. Allez, Zolax qui a pouvoir se régène. Et vraiment, t'as 2800 HP. Ça revient à égalité. On relance du coup ce poison para seulement au tour 5. Est-ce qu'il y a encore... Il y a encore une cupie. Et retour de la corruption par contre. Ah, Jedi qui s'est fait tacler. Ah non, c'est les dégâts du poison, pardon. Et donc 292, c'est pas mal, hein. Allez, ça vient de taper. Pas de cupie, mais il y a une maîtrise. Et maintenant, il n'y a plus d'arbre de vie pour Zolax. Allez, cupidité du Doppel qui est relancée. Mais bon, Zolax va perdre celle-ci à la fin de son tour. Il débuffe, il relance le poison para. Et un coup de rhizome. Bon, le coup de rhizome avec double cupie. Ah, il tape bien. Vegeta a pas énormément de res. Bon, c'est normal pour un Enuter. La zone bâton qui est offerte par le Doppel. Mais bon, il y a le sacrifice. Donc Zolax réussisse à détacler pour aller mettre un... Aïe, aïe, dommage. Dommage. C'est passé une fois, mais ça n'est pas passé deux fois. En plus, il n'y a pas moyen de libérer Jedha. Bon, en vrai, sans PM, ça servait pas à grand chose de toute façon. Et on se rabat sur une invocation du Doppel Sadida. Mais sans connaissance des poupées. Allez, encore une cupie. Oh, ça tape bien sur ce Sadida. Même le Doppel il tape. Mais j'ai jamais eu faire autant de dégâts lui. Alors, Jedha qui n'a plus de PM, qui n'a plus beaucoup de points de vie. En plus, il y a double poison avec double cupie sur le Sadi. Ah, il veut se débuffer les poisons, mais ça n'est pas passé pour cette première pelle fanto. Ok, il veut débuff. Le Sadi, ça passe, donc pas de cupie. Mais double poison, même sans cupie, ça fait mal. Et on en parlait de ses lancers de pelle. Ouais. Ça monte à presque 500.
Et Zolax qui devrait terminer. C'était un très très beau combat. Zolax, normalement, avec simplement des feux de brousse, ça passe. Hein. Ouais. Et GG. On est sur Boone et Nu contre Pandawa. Jedha qui prend l'initiative avec une Aztec, comme d'habitude. Maîtrise des épées, la corruption qui est passée. Pupille en crit. Oh, les ponts TK sur Arma qui, évidemment, n'est pas picole. À la prise d'initiative, là, elle est doublement efficace dans le match-up. Armag qui va passer sa souillure en critique et donc debuff tout ce que Jedha s'était offert. Et on va l'enfermer derrière ce Wasta. Jedha qui ne peut pas libérer, enfin qui peut libérer mais ça ne servirait à rien. Il va falloir tuer ce, ce Wasta. Oh, le set des invos. Ouais, compliqué. Bonne pelle massacrante, un peu de dégâts au lancer de pièces. Allez, on fait midlife sur ce Wasta, sachant qu'il y a eu un EC, bon. Mais évidemment, il ne faudra pas tuer que le Wasta. Et Armag profite de son avantage de position pour aller chercher des coups de baguetterelle. Allez, belle désinvo à moins 500. Et le Wasta qui va tomber. Jedha qui peut libérer ce tonneau. Et il va falloir être solide sur la maladresse, sinon on va juste retourner en prison. À moins 1 PM seulement, ça ne va pas suffire. Allez, un coup d'Aztec quand même au passage. Jedha qui a compris que ça ne servait à rien de s'enfuir. Allez, la souillure qui passe une nouvelle fois en critique. Donc le sacrifice du sac qui disparaît. Place en zone. Et on va enfermer les nus avec le tonneau. On sait que Jedha n'a plus de libé, donc pas la peine de se coller au tonneau. Allez, on vient taper sur le tonneau, évidemment. Et après, il y a le doppel. C'est pas fini. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais en attendant, les points de vie, ouais, c'est une belle égalité pour le moment. C'est vrai qu'un Doppel Panda avec la picole. En plus, il a crit. Oh, il a crit sa picole, le Doppel. Et c'est tellement plus fort sur le Doppel que sur le vrai Panda, puisque les invocations peuvent dépasser les 50% de res. Là, il a 60 partout. Et maintenant, il y a la Kawotte. Il y a le Chaffeur encore aussi. Hein. Allez, des coups de baguetterelle. J'ai à 1400 points de vie, un peu moins, parce que le Doppel va taper. Oh, souillure en plus. Et ouais, il a perdu des PA à cause des coups d'Aztec. Ah, c'est dur. C'est dur en plus avec aucun boost. Et seulement un malus. Oh, 18 points de vie. Faut lancer de pièce. 4 PA. Il n'y a pas les PA pour aller corrup. Mais bon, ça va. Il n'y a plus d'invocation là. On repousse le panda avec cette pelle animée. Il n'y a plus de stab. Ok, Jedha qui s'en sort pas si mal que ça. Allez, quelques flamiches. Pose l'écart en termes de points de vie. On tape aussi un peu le sac animé puisque bon... Il va pouvoir relancer le sacrifice au bout d'un moment. Allez, cupidité. On essaye de debuff la picole. Ça ne passe pas. On debuff la cupie aussi. C'est jamais, hein, de loin, les gueules de bois, les points enflammés, même si ça n'a pas beaucoup de portée. Avec une cupie, ça peut faire mal. Ça reste très très serré. Herma qui envoie des flamiches. En vrai, elle tape bien ces flamiches. Hein. Le
tour du tonneau. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour enfermer les nus. Invocation du Doppel pour avoir une accélération gratuite. Là, qui s'avance. Je pense pas qu'il ait la portée pour une invocation sur le tonneau. On voit quand même quelques dégâts sur le panda et donc double cupidité sur les nus. Pour l'instant, Armag est trop loin pour debuff. Ah, les bruitages de l'énu sont toujours incroyables. Allez, Arma qui va se régénérer avec le tonneau. Jeda qui est un petit peu loin pour trouver les dégâts suffisants. D'ailleurs, il y a toujours la corruption disponible hein, pour l'énu. L'adresse, bon, la clé réductrice qui peut facilement être debuff par Armag, mais c'est bien de la lancer quand Armag n'est pas sous picole. En vrai, bon, c'est comme si on lui avait retiré 2 PA, quoi. Et bah, c'est toujours ça à prendre. Hein. Alors, 886 HP, 810 HP, c'est incroyablement serré. Et retour du sacrifice, mais le sac animé qui se met en zone panda attaque ou flasque. Ah bah qui doit se debuff la clé. Sac animé qui tank. Viens chercher la zone avec le Doppel. Oh, retour du Wasta, c'est vrai que j'avais pas pensé. Et il est très très joli celui-là. Jeda ne peut pas le libérer à cause de son Doppel. Et le sac animé qui a pas vraiment joué en la faveur de Jeda là-dessus. Le debuff, mais ça ne debuff pas. Toujours pas. Après, en vrai, ça fait des dégâts. C'est pas comme si c'était des PA gaspillés. Mais, ok, il y a un nouveau sac. Parce que là, je me disais, Armag est tué. Ouais, la malade masse sur Tono Wasta, bon, c'est pas incroyable. Le Doppel, il a la sacrifice aussi, hein, ouais. Ok, plus de sac animé. On va peut-être trouver quelques dégâts. En vrai, ouais, il peut envoyer une panda attaque, se placer derrière la pelle. Il a le PA pour Picole. Ça va, il est bien Armag. Et ouais, ce Wasta toujours derrière les nus. Et c'est un Nutter, donc il y a vraiment très peu de chances que ça détacle. Il va falloir compter sur les roulages de pelle, a priori. HP, on peut en envoyer deux de plus, mais ça ne tuera pas. On préfère se protéger avec une kawotte, c'est une belle kawotte. Est-ce qu'il peut tuer Armag? Ça me paraît délicat. Et avec un marteau? Un marteau de mou ou un boomerang. Il a la portée pour les gueules de bois. Il a la portée pour les gueules de bois, ça devrait suffire. Et ça suffit. Ah, oh, ça s'est joué à pas grand chose. Un très très beau combat. GG. On est sur Boon. Matchup Kra Sacri. Autour du niveau 100. On a un Sacri 103 et un Kra 111. En 12-8. Et Sacri en 12-9, donc 1 PM d'avance sur le Sacri, mais bon, ça reste
assez équilibré pour du PVP de ce niveau-là. Et Krati Perry qui va chercher la diagonale. On a un duel de chanteurs. Hein. Entre Michel Sardine et Krati Perry. L'explique a été posé. Michel qui va se retrouver avec assez peu de PM. Même si en vrai, la cinglante niveau 5, c'est pas la cinglante niveau 6. Voilà, toute petite cahotte. Niveau 2, on a envoyé l'épée volante. Alors là, ça va devenir compliqué. Il y a des invoques un petit peu partout. Et il n'y a plus de flèche d'expiation pour Krati. Donc là, pour repousser le sacri, ça va être dur. Ah, la plus EC sur la flèche de recul et il n'y a plus les PA pour en envoyer une autre. Ah, elle a tout souri à Michel. Il a tiré le crin. Et ça joue avec un marteau de la Terps. Bon. Pas surprenant. C'est vraiment le corps à corps de, autour de ce niveau-là. Et bon, pareil pour Krati. Oh, les bons dégâts quand même. Ah, ça martèle bien. Du marteau qui martèle. Ah, ça tape bien des deux côtés. On va pas terminer néanmoins pour Michel. 600 HP, ça va pas suffire. C'est vrai que la différence entre crit et pas crit est assez phénoménale. Krati qui prend de la distance, qui va essayer de jouer la fuite. Il y a une XP qui est de retour. Elle est chargée en plus. Elle fait du moins 400 tout de même. Il y a 0% haut. Bon, après, c'est vrai qu'il y a les res à ce niveau-là. Généralement, elles sont pas très élevées. Et Michel Sardine, donc, d'apesanteur, pas attiré. On va chercher un petit peu de régène. On monte difficilement à 1000 points de vie. Ah, c'est un joli petit combat. De bas niveau. On maîtrise des marteaux. Ça veut rush? Et non, c'est juste on la met comme ça. Cinglante, on avait fait le calcul des sorts et on s'est rendu compte qu'il restait 2 PA pour la maîtrise. Allez, relance des châtiments tour 6 évidemment. Il y a quelques points de vie sur la cahotte à récupérer avec une abso. Oui, c'est vrai qu'il y a la folie sanguinaire aussi, en vrai, il est niveau 100 sacré. Oh, PA, ouais, bon, on va pas les utiliser. Peut-être un châtiment vitalesque, ça aurait pu être... Je sais pas s'il a été utilisé, non, il a pas été utilisé. Parce que là, vu la situation, ça va être compliqué de trouver un coup de marteau. Et Krati qui se serre sur cette cahotte. Et volante, il manque un PM pour aller taper, malheureusement. C'est serré, hein, je vois pas qui peut gagner, même si je pense que le Kra est quand même en meilleure situation, mais... Attention, un sacré... Il peut aller très vite avec un sacrieur. Il va se régénérer, il va tanker. Alors, maîtrise de l'arc. Ah, il y avait le retour de l'expiation, donc ça fait beaucoup de dégâts. Premier immo qui passe. Il n'y aura pas de deuxième, il n'y avait pas les PA. Et là, si le sacré a un marteau de moon ou un boomerang perfide, ça peut aller très vite parce qu'il y a énormément de stats sur le sacré. Il y a vraiment beaucoup de stats. Il y a la diagonale ici. En vrai, sacrifice folie. Ah, ça coûte trop de PA, je pense, à ce niveau. Et finalement, Châti Vitales qui est utilisé. Et ça se trouve, il n'y a même pas la portée. Il y a encore l'œil de taupe, donc si ça se trouve, il n'y avait même pas les PM pour aller mettre des coups de marteau. On n'avance pas trop du côté de Michel pour pas donner une flèche de recul gratuite. Ça va voler un PM et ça va tenter l'upset. Ah, ça pourrait bien passer. Attention, le dernier coup de marteau qui va tuer le sacré. GG. Beau combat.
La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voire même à commenter. Profitez-en pour me suivre sur mes différents réseaux. On se retrouve demain à 16h comme d'habitude pour la prochaine vidéo PVP. Salut tout le monde !